comme vous avez dit, il y a des mouvements de toutes sortes en Israël. J'habite ici, la plupart de ma vie, j'habite ici. Je suis content. On parle plutôt aujourd'hui des mouvements écologiques. Alors, il y a des choses très intéressantes qui se passent en Israël et aussi progressifs. Et entre les juifs et non-juifs. Et alors, il y a je peux donner des exemples si vous voulez. Il y a un institut au sud qui est appelé the Arava Institute, l'Institut de Arava. Et en fait, c'est un institut qui est dédié aux études écologiques, et ils amènent des Arabes et des Juifs ensemble, et ils font des travaux très extraordinaires. Et vous avez mentionné, oui, c'est vrai, il y a des problèmes, il y a des incendies causés par des radicaux. Et c'est dommage. Et il y a des juifs à droite, il y a des juifs gauchistes. Des fois, quand on écoute les médias, ça nous amène à une histoire politique plutôt qu'écologique. Mais je peux dire que, oui, c'est beaucoup plus complexe qu'on peut apercevoir du média qui arrive ici. Mm-hmm.